Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et nous voici à nouveau dans la crypte donc des rois, ou je sais pas trop quoi, là, le cimetière, voilà, la crypte des rois perdus. Donc, devant le Sénéchal oublié, dans cet épisode de Tezo, donc Tamriel Unlimited, donc Zil Astral Online. Tamriel Unlimited, il y a un problème au niveau du front. Que voulez-vous que je fasse? Je ne peux pas pénétrer dans la chambre forte, alors écoutez-moi bien. Il y a deux couronnes à l'intérieur, mais vous ne pouvez en prendre qu'une. L'une est la couronne radieuse d'Anton, l'autre porte la malédiction qui me retient ici. Je veux que vous preniez la couronne maudite. Est-ce que la malédiction me touchera? Non. Votre âme est déjà piégée ailleurs. Mais si quelqu'un est au courant, la touche, il sera lié à ce lieu pour prendre ma place. Et je serai libre. Vous voulez que je maudisse Dame Laurent? L'envie et la couardise ont un prix. Elle convoite les trésors du tombeau, mais elle veut que vous preniez les risques. Je considère ceci comme de la justice. Ah ah, un choix donc. Allons voir. Non, le combat. D'accord, il est fait péter si je me trompe pas. Eh oui. Hop, là, une petite potion de santé quand même, parce que là on en chie. Allez, crève, charogne. Oh. Ah, ils sont mieux au niveau défense, donc je vais les mettre. Mais c'est bien la seule raison. D'accord. La couronne maudite et la couronne radieuse. La malédiction sauverait un esprit. Un esprit qui, en fait, au final, protège non seulement ceci, mais le roi. Et en fait, il veut, pour moi, entre guillemets, ah oui, d'accord, j'ai encore plein de trucs à choper. Il veut rompre son serment de... Son serment de protéger la crypte. Ce que, personnellement, je n'apprécie pas. Hop, c'est marrant, j'en chie au niveau de ma manette. Ah voilà, c'est mieux. Donc, parce que contrairement à certains, en fait, moi je n'apprécie pas, c'est le fait qu'il rompe son serment. Pour se libérer, en fait, de tout ça. Donc personnellement, je prendrais plutôt la couronne radieuse. Mais c'est pas pour des raisons couardes, en fait. Il appelle ça la justice. Pas moi. Qu'est-ce qu'il y a par là? Vas-tu te défendre? Hop. Moi, je n'aurais pas eu à repasser devant l'autre mot du gland. Non, j'ai pas du tout apprécié le fait qu'il rompe son serment à son roi, c'est stupide. Je peux comprendre que l'éternité soit longue, mais il en a fait le serment. De protéger le roi et sa crypte, et entre guillemets, même si le roi est mort, il reste roi. C'est une crypte royale, c'est son rôle de la protéger, même en tant qu'esprit, malheureusement. Mais il s'est engagé à le faire, il s'est engagé.
Alors, Dame Laurent, bonjour. Ah, vous voilà de retour, et dans les temps. Avez-vous retrouvé la couronne ? Oui, je l'ai ici même. La voilà, la couronne radieuse d'Anton. Vous avez un vrai don pour l'exploration de donjons. Je vous en prie, posez la couronne sur la table, que je puisse admirer. Stevens, pourriez-vous me débarrasser de cette charmante couronne, je vous prie ? Bien sûr, madame. L'amant, donc. Pillé. Pourquoi n'est-il pas attaché ? Ah, le voilà. Voilà sain et sauf, madame. Non, ce n'est pas la bonne couronne. Je suis désolé. Vous m'avez trahi. Non. Vous m'avez trahi. Non, je ne t'ai pas trahi. Tu as tenté de trahir ton propre roi. Poisson, madame. Désolé. Ça ne me plaît pas, hein, le cher ami. Ça ne me plaît vraiment pas, mais... Malheureusement, je trouve ça petit, ce qu'il a fait. Il n'avait pas à trahir son roi. Bonjour le chat. Ça ne me plaît pas, hein. Franchement, ça ne me plaît pas du tout. Mais bon. Mais bon. Malheureusement, c'est comme ça. Ah putain, elle est sur le caillou. Je peux monter sur le caillou par là ? Oui. Oui, oui, je peux. L'amant. Ceux qui ressemblent à l'amant, mais une augmentation de la résistance des sœurs. Non. Non. Est-ce que c'est là-bas ? Cric de gueule d'acier, oui, pourquoi pas. Bon. Eh ben, on va partir au nord. Très exactement au nord-ouest. Ça me plaît pas d'avoir fait ça, chers amis, malgré tout, mais malheureusement... Oui, j'ai trahi l'homme qui m'a aidé, mais lui, il a trahi son roi. En voulant abandonner sa place. Oui, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît vraiment pas. Je vais avoir des remords, mais... C'est ainsi. Cottage de la jardinière. Allons-y. Oh putain. Oh, un bouquin. Monomythe, le dieu et dragon disparu. Ah, niveau 3 en guilde des mages, parfait. Recette mielloise. Oh, votre inventaire est plein, mais bien sûr. Hop. Voilà. Hop. Un petit peu de jute, c'est parfait tout ça. Hop. Et quelques rampants aussi. M. D'accord. Écoutez, on va y aller. C'est YouTube qui a fait ce bruit-là, bah dis donc. T'en fais de drôles de bruit, mon ami. Des zombies. Et c'est encore les sangrépines par là. Et il y a une quête. What? Oh putain, j'ai eu les boules. Elle est sous terre, n'est-ce pas? Elle est sous terre. Alors, je vais d'abord regarder s'il n'y a pas... Il y a un oratoire de l'autre côté. Bon, tant pis. Alors. Cuirasse. Boom, donc c'est des armures lourdes, encore une fois. Ne me tuez pas. Je ne suis pas votre ennemi. Bonjour, tu as une très très belle armure. Attendez, je ne suis pas votre ennemi. Tu es un nordique. Que faites-vous en bas ? Je me cache. Je savais pas que les adeptes de Sangrépine allaient profaner ce cimetière. Mes ancêtres reposent ici.
Mon arrière-arrière-grand-père m'est apparu. Il m'a demandé de me racheter. Sans quoi il me hanterait pour le restant de mes jours. Mais n'êtes-vous pas un adepte de Sangrépine ? Me joindre à eux était une erreur. Encore un qui s'est planté. Si je sors de là, ils me tueront. S'il vous plaît, aidez-moi à apaiser mes ancêtres. Les adeptes de Sangrépine ont volé des bougies sacrées. Des bougies sacrées. Vous devez en récupérer et les allumer sur les tombes de mes ancêtres pour leur prouver que je les honore toujours. Je placerai les bougies pour vous. Donc en gros, cherchez, tu les honores toujours pas. Du patriarche, de la matriarche et de l'héritier de Vinval. Ils étaient très influents en leur temps. Je vous suggère d'honorer la sépulture du fondateur de Vinval en dernier. Il était très colérique et il m'a fait une peur bleue quand il a surgi de nulle part. Que ferez-vous si je vous aide ? Je ferai tout mon possible pour rattraper mes erreurs. Je quitterai cet endroit et je regagnerai Dagfilant, ma patrie. Je trouverai un moyen de me rendre utile. Peut-être en aidant mon père dans son atelier de tailleur. Oh. En tout cas, je me garderai bien de rejoindre un culte quelconque à l'avenir. On ne m'y reprendra pas. Je comprends toujours pas pourquoi vous avez rejoint le culte. À cause d'Angoff ? Il ressemblait au chef fort dont la Glénombrie a si désespérément besoin. Il peut être très persuasif. Je n'ai jamais pensé au mal que nous pourrions causer jusqu'à ce que le fantôme de mon propre ancêtre me confronte. Vous ne craignez pas les répliques des adeptes ? Bien sûr que je le suis. Je suis si effrayé que j'arrive pas à penser. C'est pourquoi j'implore votre pitié et votre aide. Quand tout sera fini, je vais fuir au nord, à l'est, partout où mes pieds me porteront. Ouais, ouais, c'est cool. Je vais passer les chandelles pour toi. Cherchez les tombeaux du patriarche. J'ai entendu. Les bougies sur les adeptes de Sangrépine. Wouhou. Badababa. Badababa. Badabada. 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 Parabala, parabala, pa 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 pa. Non, salope. Bouffe. Ah putain, j'ai passé. T'as de la chance. Bougie sacrée. Bouffe. Bougie sacrée. Encore une. T'es sérieux ? Héritier. C'est juste ça ? Seriously ? S'il m'en falloir une trois. Nous ne tiendrons plus très longtemps. Ils vont nous déborder. Aidez-nous. Nous ne tiendrons pas longtemps. Nous ne pouvons plus résister. Bientôt nous devrons répondre à l'appel. Qu'y a-t-il, esprit ? Nos maîtres étaient anciennement les chefs de Hautroche qui reposent depuis bien des années. Maintenant, les adeptes de Sangrépine ont saccagé les tertres funéraires et ont volé dans les tombes de nos monarques leurs effets royaux. Nous ne pouvons les arrêter. Qu'est-ce qui vous empêche de les arrêter ? La Sangrépine réduit notre volonté à néant. Ouais, elle vous plie. Si vous récupérez les habits qu'ils ont volés et que vous les ramenez aux cryptes, nos chefs nous reviendront. Notre volonté combinée à ces puissants esprits nous permettra de... Ça devient stupide, on va charger des fringues et des bougies. Je sens les habits. Ils sont encore dans le coin. Je les retrouverai et les ramènerai dans les cryptes. Ces Sangrépines ne sont rien de plus que des pilleurs de tombes. Ouais, c'est ça, elle est cool ta vie. Tu vas me chercher. Je fais ton pressing. Putain. C'est stupide. Là, ça devient stupide là. Entre les bougies et les fringues. Bon, où vous êtes, bande de nazes ? Tiens donc, des Sangrépines. Bouffe. Voilà. Il est tellement beau mon arc. Bon par contre le fait que je tire des fois des flèches qui ne sont pas... Matriarche. Patriarche. Ah putain, il m'en faut une supplémentaire. T'es sérieux ?
Forcément, je l'ai pas pris sur le bonhomme, moi. Tiens, mange! Salut, Scad. Scadad. Machin. Attendez, ça s'est ouvert, là. T'es allé voir, il y a peut-être un truc, non? What? Et ça repop, en plus. Hop les. Non non, reviens. Voilà, j'ai tout un tas de bougies sacrées maintenant, c'est cool. Ça je peux pas l'ouvrir, ça je peux. Spalier en acier, ça ne m'intéresse pas. Pff. Coffre. Crochet, os, tout prendre, c'est bon. Ça passe, ça c'est vide. Génial, j'ai l'impression que chaque fois que je me déplace, c'est pour rien. Bon, elle est où la tombe du mou du gland là? Putain, mais elle est à chaille en plus. Il y a des zombies partout. Non, mais lol. Lol. Le monstre de base de ce jeu, c'est le zombie. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'ils ont fait un endroit où il y a l'héritier, le patriarche et la matriarche. Et penses-tu qu'ils vont faire un endroit? What? Un Apsu? Qu'est-ce qu'il fait là? Allez, bouffe, 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 bouffe. Parce que les Apsu, c'est ceux qu'on a au tout début de la partie, vous savez, chers amis, qu'on est dans le, qu'on est dans l'endroit de, dans l'endroit de création de personnage, tout ça. C'est quelqu'un comme moi qui n'a pas d'âme. D'ailleurs, franchement, en cherchant un peu, je vois pas beaucoup de différence entre les zombies et un Apsu. Enfin bon, ce n'est que mon avis. C'est parti, on la place. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'êtes pas mon idiot de descendant, ni même un membre de ma famille. Non. Bonjour. Vous osez mettre les bougies sacrées à la place de mon digne descendant? Ne ressent-il aucune honte? Votre arrière-arrière, petit-fils, m'a demandé de placer les chandelles. Je vois. Alors il a peur d'affronter ses anciens camarades. Il devrait bien plus redouter la colère des morts. Enfin, il a fait un effort. Non, non, il a rien fait du tout, il s'est planqué, il a attendu que je vienne. Qu'aimeriez-vous que je fasse? Retournez dire à Harald de renoncer au culte et de continuer à faire amende honorable, où il subira la vengeance des morts. Allez, à présent, je veux retourner au repos. Pour des bougies. D'accord, je lui dirai. Tu me fais pitié. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et salut toi le couard. Tout ça pour ça.